Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. Nous en sommes à l'épisode 23, on se rapproche énormément de la fin. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je veux sauvegarder? Qu'est-ce qui m'arrive? Le mec qui vient de commencer l'aventure, gros, il est déjà pas bien. Bref, oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur Resident Evil 7. J'en peux plus de toute cette attente, les gars. Ce jeu va être terrible pour moi, comme pour vous. Je vous le dis. You killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Et ouais, mon pote, moi je fais le malin, tu vas faire quoi? Bref, on continue. C'est quoi ça? C'est la partie un peu. Vérifie la pression de sa valve. Damn. Hey, it's about time. Sorry, bad traffic. I'll cover you. Mira, llénalos de pólvora. Alors, ça, c'est le côté un petit peu à Merlock, hein. Le côté d'avec un hélico, je pousse. J'avais totalement oublié cette scène, un peu ridicule en soi. Ouais, bah. Avec l'hélico, on va pousser le château d'eau. Alors, évidemment, dans la vraie vie, tu ne fais pas ça avec un hélicoptère, hein. C'est pas prévu pour. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si ça se fait. Quoi? Mais comment on passe? Ah, d'accord, je ne peux pas rentrer dans ce truc. Ça, c'est chiant. Ça, c'est le côté un petit peu chiant de la chose. Ils ont fait une pièce vide totalement pour rien. Vas-y, voilà, donne tout, ma gueule. Merci à toi. On va ramasser les herbes. Donc là, c'est la phase... On y va. Là, c'est la phase gros bourrin. C'est la phase, va falloir enculer tout le monde. J'aimerais juste savoir où est le prochain vendeur. Il n'y a pas de vendeur. On est sur la fin, là. Ouais, mais là, je peux pas retourner en arrière, c'est beaucoup trop loin. Ok. Ok, vous savez quoi, c'est pas grave. Nique sa mère. On va essayer de trouver un petit sniper, quelque chose. Alors attendez, je peux aller en bas, je peux aller en haut, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, ok. Ouais, je vous ai vu les frérots. Ok. Pourquoi il y a des tonneaux ici? C'est stressant. C'est stressant et relou. Bon, c'est pas grave, en soi. Ah d'accord, je sais pas viser. Voilà. En soi, deux balles, ça devrait suffire. Il y a des tonneaux juste au-dessus de moi, je ne sais pas pourquoi. D'accord, c'est mon hélico là qui les a arrachés, c'est bon ça. Ah, tu te sens grave en sécurité là, tu te sens prêt. Hop, voilà, deux balles. On est large. Ok. What? Je me sentais, frère. Ok. Quoi? Ah, ok. On va revenir en arrière calmement. On va revenir en arrière. Hop. On n'oublie pas les headshots, les mecs. Voilà.
Voilà. Ah, toi, c'est chiant. Ok. Allez, dégage-toi là-haut. Bon. On est bon. On ramasse encore des munitions de pistolet. Ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir. Si je peux ramasser autre que le pistolet aussi. Voilà. Des petits headshots. Des petits headshots comme s'il en pleuvait. Je peux y aller? Nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faire tomber. Ok. Pas mal. Et maintenant, on fait quoi? Alors, on va prendre notre temps, hein, les gars. C'est une phase d'action très intense. Hein. Là, vous le voyez, on va avancer en parcimonie. Quoi? Oh! Dans la tête! Arrache-moi ça! Quoi? Aïe! Putain, il vise trop bien, l'enculé! Dans l'œil! Yes! GG, ça! GG, well played. Ah, mais c'est lui, ce petit bâtard! Ah, bah, d'accord. Il s'est fait enculer. Bon! On va aller visiter là-haut, avant de passer ce petit pont. Parce que forcément, il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Une herbe, c'est plutôt cool, c'est intéressant. C'est intéressant, parce qu'on faisait les moyens, les malins les épisodes précédents, mais... Mais attention de pas trop faire le malin quand même. Ok, il y a toujours personne à droite, hein, où il y a les tonneaux explosifs, vous l'aurez remarqué. Là. Ok, ça, ça dégage. On est pas mal. On est pas mal. Donnez l'argent, les mecs. Donnez l'argent, j'en ai besoin. De l'argent pour les braves. Voilà, ça, ça dégage. Quoi? Attendez. Attendez, on va s'occuper d'eux, déjà. Voilà. Ah bah, voilà. Ok, j'ai eu super peur. C'est bon, on a réussi à ouvrir. Hop, ferme-la. Voilà, hop, tu dégages. Petit salto arrière pour le skill. Ok, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. C'est le même chemin. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, j'aimerais bien que tu t'en occupes, Jean-Charles. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon, on est passé. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Attendez, bougez pas. D'accord, on pouvait passer en dessous, c'est un chemin un peu bonus apparemment, écoutez, c'est un chemin... Ah! Plus safe! Ok, donc je vois que tu me donnes des petits coups de bouclier sans aucun putain de regret. Je vais devoir t'arracher, comme jamais. Ouais, attendez. Voilà, alignez-vous les potes. Ok, on va y aller au pistolet toujours. Les gars, le couteau ne fait plus aucun effet. Suplette! Putain, même ça, ça le tue pas! Ok. D'accord. Bon, ça c'est terrible. Oh! J'ai pas beaucoup de balles, faut pas que je déconne. Ok. Qu'est-ce que c'est derrière là? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, gros. Tu fais comme ça dans cet état là je pense qu'il faut toujours avancer, mais il lâche des trésors. C'est super intéressant quand même, les mecs, non? Vaut mieux prendre son temps, apprécier la vie un peu. Tiens, regardez, on peut même passer. Oh là là, mais il y a tellement de chemin. Oh là là, ouais, c'est beau ça. Ouais, bébé. Non mais attendez, on peut... c'est quoi cette connerie, hein? On peut passer par tellement d'endroits. Regardez, on va repasser par là. C'est une grande cour de récré. C'est incroyable. On va prendre l'escalier là-haut. On va voir où il mène. C'est génial. J'avais oublié à quel point on pouvait vraiment aller n'importe où. Ok. Et ça, ça mène où, ça? Ça mène à un héliport. Alors, à savoir que j'ai toujours pas Ashley. Hein. Mais bon, avec le petit lance-roquette qui me reste. Ah, d'accord. Bah, ça mène ici. D'accord. J'aurais peut-être dû commencer par là. Hein, sans faire l'americano. Ok. On va encore monter. On sait jamais, les gars. Ah, oh, 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 oh. Y'a Echo qui me tire dessus, qu'est-ce qui se passe, les gars? Un petit coup de snipe là? Ouais, je vais repasser par là. Ok, intéressant. Intéressant, je vais essayer de me mettre sur cette hauteur quand on aura ouvert la porte. Hop. Et puis on verra si on peut sniper calmement. Attendez, c'est là que j'ai ouvert, ouais. Ouais, forcément. Ok. Il est pas très gentil. On y va. On y va franco, les mecs.
Quoi? Quoi? C'est quoi qui m'arrache comme ça là? Il est où ce petit... Il est où ce petit bâtard? Y'a pas un bug là? Ok. C'est pas vrai! Et moi comme un connard, ah ouais, je reste dans mon truc de snipe. Putain, eh, je suis vraiment un bolos, hein. Sérieux, je reste dans mon truc de snipe pour niquer des munitions pour rien. Sérieux, qu'est-ce que je fais? Dégage. On raconte ta vie là. Je vais lui dégager. Là c'est chiant. Là c'est chiant au bout d'un moment. C'était drôle au début. On était comme des meilleurs potes, mais là c'est chiant. Ah, son petit bout de tête, très sympa. En tout cas, bien fait les détails. Ah, ça rigolait pas à l'époque. Ok. Il est où ce salopard là? J'arrive pas à localiser, il est où, ça va être chiant. Pas chiant du jour. Ah c'est bon, j'ai localisé où il est. J'ai localisé. Quoi? Calme-toi! Calme-toi! Allez, vas-y. 3 balles. Il est gourmand. C'est un fin gourmet. 4 balles. 5 balles. Ah ouais. Toi t'as la dalle mon pote. Hein. Toi t'as la dalle. Ok. Cette phase c'est fait. Par contre il m'a arraché. Hein. Genre ma vie gros elle a fondu comme jamais. Hein. Ok, on va passer de l'autre côté. On va ramasser le lingot. Voilà. Toujours bon à prendre. 15 000 c'est bon ça. Mais alors s'il y a plus de vendeurs ça sert à quoi? Ok, inch comme on dit, on verra les gars. C'est parti, on va ouvrir. Je crois que là je peux rester derrière à sniper. Telle la petite salope que je suis. Ok, on va prendre ceci. Ah non, c'était une feinte. Ah ça va être terrible. Là ça va être terrible les gars. C'était une sacrée feinte, bien joué. Ouais. Oui bah oui. Oui bah oui. On y va comment la grenade? Ah ouais mais là c'est chiant. Là ils mettent pas beaucoup là en fait. Ah bah ouais. Ah ouais aïe. Ma vie est nulle. Là vous mettez pas beaucoup les potes. Waouh, waouh, waouh. J'ai déjà plus de vie. Ouais. Bon, en soi, on va... Je vois pas du tout comment faire. Putain, les gars, faut tirer. Tirez vers moi, tirez vers moi. Ok, Cimer Albert. Ok ma gueule, vous êtes prêts? Allez dégage. On va garder le pompe parce que j'ai presque plus de balles. On va reprendre le pistolet calmement. Oh oh. Ça c'est pas cool. Quand tu vois une petite dynamite qui arrive sans aucune putain de pression à tes yep, tu te dis que la vie n'est vraiment pas cool. La vie n'est pas ce qu'elle était. Ok. Oh putain. Cours sa mère. Oh là là, je sais pas sur... Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je suis à l'abri. Ok, je suis à l'abri. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Je peux pas passer par-dessus, par contre. C'est chiant. J'y vais! Nique sa mère! Ok, c'est bon. Putain. Faut m'aider, l'hélico! Je
Ok, c'est bon. Il n'y a plus de musique d'un coup. Yes, c'est bon. Oh oh. Non! Aïe! Putain, c'est pas vrai! Ok, c'est bon. C'est bon, on est large. Tout ça pour ça, 3 balles, gros. Mais je prends putain de 3 balles. Sans ça, je suis un homme mort. Allez, on continue calmement. Ah ouais, il reste plus là, voilà. Lui, il est chiant. Lui, tu sens qu'en soirée, il est hyper bon, tu vois. Il s'arrête jamais. C'est son défaut, c'est son défaut. Ok, nickel. Tout ce que je voulais. On va aller de l'autre côté, c'est une blague. Moi je vais me faire enculer comme jamais. Ok, donc j'étais pas obligé de tous les tuer, c'est plutôt bon à savoir les gars. Tiens un petit trésor, je ramasse. Disparais pas, fais pas le con. Yes. Maintenant on va de l'autre côté calmement. Tiens, il y a des herbes. Je prends. Ah tu sens que c'est la phase finale, hein. Tu sens que ça part en couille très très vite. Hein. Là c'est une évidence les mecs. Hein. Mais bon, on s'en sort plutôt bien en vrai. Hein. J'utilise des heals, mais regardez tout ce qui me reste en heal. Je suis tellement bien. On va ouvrir la dernière porte. En gros, tu parles tout seul, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'est déjà la fin de la guerre. Ah, des petites balles de TMP. Je les ai vues. Ah, et je ne peux pas descendre par là. Très bien. On va descendre par là. Ah, c'est sur ça que tu visais depuis tout à l'heure? Genre réellement, mec? Ok, et j'avais repéré un petit heal. Me semble-t-il. Oh là là. Pouh. Ah, c'est beau. C'est beau. Hein. Le nombre de sprays, je crois qu'on en a utilisé un seul durant toute l'aventure. Bougez pas, je vais regarder d'ailleurs. Oh là là. Bah oui, bah regardez. Une colonne entière de sprays. Voilà, que du spray, gros. Du Head and Shoulders. Ok, c'est parti. C'est pas mal. Ouais, je crois que le pompe, je l'améliorerai à fond. Bon. On va sauvegarder. Ça serait bien un petit vendeur, les mecs. Get out of here, drinks are on me. Yeah, hey, I know a good bar. Mike! Make sure you're the next to go, Sadler. Je vois pas que c'était son meilleur pote depuis le CP, le Mike. Ooh, I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insect's life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Ok, bonne chance. Bon, Mike, il nous a quand même régalé. Hein, regardez-moi toutes ces petites munitions de snipe, ça fait plaisir. Ça présage. Ça présage qu'on va jouer au sniper. Ça présage qu'on va jouer au sniper, de toute façon, à mon avis. No choice, comme on dit. Y a quoi derrière? Y a rien. Tiens, regardez, je crois qu'il y a une petite cinématique pour Mike, le frérot. Adieu, Mike. Mike, je ferai en sorte qu'il paye. Et oui. Et oui, Mike, on fera en sorte qu'il paye. Bon. Il y a peut-être des tonneaux juste derrière, non? Attendez, on va aller faire un petit tour. Hop, ça, on ramasse. J'aimerais bien un vendeur, mais je sais plus s'il va y en avoir d'ici la fin du jeu. Parce que là, on s'approche de la fin, les gars. On est tout prêt, on est tout prêt. Je vois, il n'y a plus de boss, donc je vois pas ce qui peut me stopper. Ouais, bon.
Attendez, on va faire un petit tour sur la carte quand même, ça me stresse un peu ça. Ah, y a toujours pas de vendeur, c'est terrible. C'est terrible, hein. C'est dommage que les Regenerados, on les voit pas plus longtemps. Parce que eux, ils se faisaient... ils te faisaient chier dessus, littéralement. Et voilà, les voir plus longtemps avec moins de munitions, dans des endroits un peu plus chelous. C'est d'ailleurs dommage parce que quand j'y pense, dans RE5, il me semble que... Ouais, il me semble que dans Resident Evil 5, ils y sont pas. J'ai pas envie de vous dire nimp. Allez, on saute. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Yo les gars. Encore des ruines, c'est bon ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pendentif à perles, c'est incroyable. Je prends de la monnaie. Ok. Là, il y a une caisse, très bien. Leon, you okay? Yeah. We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Ok. Méchant parasite. Méchant. Pas cool. Bon. Bah on continue. Donc va falloir que je retire le parasite. Ah oui, non, on est encore... Il y a encore un petit peu de temps, les gars, d'ici la fin. C'est bientôt, hein, c'est bientôt, là n'est pas le sujet. Mais c'est pas tout de suite. Voilà, je vous le dis, c'est pas tout de suite. Quoi? Ouais, il y a des trucs un peu mystiques, là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ok. Oh là! Je crois que j'ai parlé trop vite. C'est le retour. C'est le retour des Renegados. Ok, on sauvegarde les mecs. Pas mal ça. Pas mal. Allez, boum. Qu'est-ce qui se passe? Yo. Y'a plein là-dedans. Yo. Y'a plein là-dedans. Ah, je me disais les balles de snipe, c'est donc pour ça. J'ai parlé trop vite. Wow. Regardez comment ils sont laids, putain. Ah, petit gourmand, t'en as 4. C'est pas cool. Faut... Voilà. Ok. Faut qu'on fasse gaffe. Oh, c'est chiant. C'est chiant quand tu tires à côté, putain. Faut que je fasse gaffe. Allez, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir à travers. C'est les pires. Ceux-là, ils one-shot. Un peu d'argent, s'il vous plaît. De l'or pour les braves. Nickel, impeccable. Ok, c'est bon, on les entend plus. Ah, je peux pas sauter ça, c'est bien dommage. J'ai pu sauter des millions de choses, mais pas ça. Oh putain, la vache, ils m'ont fait peur. Les gros gigots, là. Ok... Ouais, c'était qu'un patient. C'était qu'un patient parmi tant d'autres. Bon, ben on continue. Pas de trésor peut-être? Attendez, on va sauvegarder. On va sauvegarder parce que on a utilisé pas mal de balles de sniper, mais on s'en est quand même bien sorti entre guillemets. Et on va directement d'ailleurs par la même occasion regarder s'il n'y a pas un petit trésor. J'ai toujours pas appuyé sur triangle pour ouvrir la carte. Je ne le ferai jamais. Hein. Notez-le les gars, s'il vous plaît. Bah si, il fallait bien que j'aille par là. Ok. Alors il y a forcément quelque chose sur la droite. Yo. Ouais, mais là. Là, les mecs, je vous aime bien, mais c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop d'honneur. Ah oui. C'est beaucoup trop. Bon, ok, on peut partir. J'ai trop d'herbe jaune. Oh, la Ashley, je vais la régaler. Et encore, hein, j'en ai utilisé. J'en ai utilisé, je suis un malade, moi.
Ah d'accord, faut grimper sur le côté. Ok, pourquoi pas. Ouais, c'est parti. Il y en aura de nouveau. Hein. Oh là 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 là. Ouh là là. Ouh, les longs couloirs comme ça. Les longs couloirs, ça, ça fait plaisir. Ah bon, non mais les gars. Attendez, attendez. Ok, on va recharger toutes les armes parce que là, c'est terrible. Voilà. Ensuite, on va... Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça, putain? Y'a rien de plus... Oh, putain. Ok. Forcément. Combiner avec ça. Ça, on va le combiner avec ceci. Une balle de magnum. Une putain de balle de magnum. De toute façon, on va utiliser des balles de pistolet. Bon, ça sera réglé. Yo, les gars. Personne me voit. Tout va bien. Ok. Ah putain, mais toi, tu es beaucoup trop rapide. Ok. La petite peur, la petite peur. Yo les gars. Waouh, waouh, waouh. Mais putain, c'est pas vrai, hein. Tête de ma mère, hein. Ça devient gênant, là. Quoi? Ok. Je préfère. Bah, j'en sais rien, j'en sais rien. Ça, allez, vas-y. Ok, on continue. Ouais, c'est ça, les mecs. Criez, criez pendant qu'il en est encore temps. Voilà. Non! Oh, il était bugué! Voilà. Ok, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je passe par là, je tente. Je tente le passage incroyable. Il est passé, cet homme est passé. Cet homme est trop bon. Ok. Wow, 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 wow. On se calme, les Denis. Ah d'accord. Je vois que par contre, sans aucune putain de pitié. Ok. C'est chiant. On va faire quoi? J'ai pas envie d'utiliser le magnum pour le plaisir d'avoir un max de balles. On va retirer ça. Ah! Ferme-la. 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 C'est 5 balles, hein, les gars, hein, si vous avez noté. Quoi que je signe encore. Ah oui, mais c'est le problème d'avoir une gatline. C'est que t'as pas une maîtrise totale de ton corps. Allez, ferme-la. Ça m'a saoulé. J'avais pas envie que tu te retournes. Bon, bonne chose de fait, on ramasse. De l'or pour les braves. Et... Ah, il y a quelque chose par là. C'est incroyable. D'accord. Ok. 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 Ouais, 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 pourquoi pas. Désolé. Désolé, j'ai tiré par pur stress. Ah d'accord, bah je l'ai. Alors, comment on va faire? Ah mais là vous êtes chiant. Oh quoi? Ok. C'est bon, on va grimper calmement. Putain, ça fait stresser toutes ces conneries. On va ouvrir. La lumière est rouge, c'est terrible. Qu'allons-nous faire si cette lumière voit terme? Ok. Oh oh oh! Oh là 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 là! On va éviter de jouer avec le feu, ça me ferait chier de tout refaire, n'est-ce pas? On va combiner. Voilà. Et on va y aller. On va y aller à quoi? Ça peut-être. Ça va faire égal les potes. Allez. Quoi? Attendez, on va ouvrir ça. On se permet des petits kiffs.
Ah, ça c'est chiant. C'est tout de suite moins drôle. Ah, ça c'est chiant. Tout de suite moins drôle aussi. Là. Ok, il y a un mec là-haut. Ah, GG. GG, tu m'as surpris. T'as réussi à me prendre sur le fait. Ok. Dégage par contre. Bon, t'es là, tu me racontes ta vie, moi ça me plaît pas trop. C'est pas évident là, hein, quand même, hein. Il y a beaucoup de... Waouh. Calme-toi, petit, calme-toi. Lâche tout de suite cette arme. Ouais. Apparemment, je ne sais pas sortir un couteau. Yes. C'est bon. On va y aller à quoi? TMP, vite fait, un petit peu. Voilà. Je régale, c'est normal. Voilà, hop. La petite caméra un peu gênante. Les gars, vous venez à combien là? Parce que je vous kiffe, mais ça fait beaucoup quoi. Ok. Ok, c'est bon aussi. On est des machines. On est des putains de machines. Allez, le lecteur de cartes. On va mettre la carte, évidemment. Ah, c'est pas évident, hein. Là, il y a beaucoup d'action, les gars. C'est assez intense, je vous avouerai. Ensuite, faut que j'aille activer tous les interrupteurs. Ah, bon, on rigole, hein. Attendez, les gars. Resident Evil, ce n'est qu'une paire de rigolades avant tout, hein. Ok. S'il n'y avait rien d'intéressant en soi... Juste en bas, il y avait un interrupteur, mais c'est quoi, on va passer par là. C'est un peu l'esprit, l'effet nouveau. Voilà, ça me fait kiffer, moi. Ouais. Ah, mais vous venez de là. Plus une petite herbe. Oh là là. Ah, mais les mecs. Putain, je veux pas faire l'américain, mais là, sérieux. Combiné. Voilà. Bah, attendez, on va reload la TMP. De toute façon, elle est améliorée à son maximum. On va reload ceci. On va reload ceci et on va le garder parce qu'on va jouer avec tout simplement. Yo les gars, bon, on l'a refait. Alors, il faut que je monte. D'accord. Ah, d'accord. Tu étais là. Ok, ça c'est fait. Oh, normalement, il n'y a plus grand monde. Hein. Il en reste un ou deux, pas plus. Voilà, on va activer ça. Bien joué à toi. Et où est la dernière? C'est un mystère, je crois qu'elle est juste à droite, non? Elle est là. Hop, ça je prends. Elle est là ou pas? Ouais, elle est là. Allez, bonne chose de faite, on peut continuer à avancer les gars. Direction, le prochain point de sauvegarde. C'est plutôt cool. Il y a quoi là-haut là? Attendez, bougez pas. Ça m'a stressé. Attendez, ça a ouvert quelle porte? On est d'accord, celle-ci, hein? Oui, voilà. Ok, bonne chose de faite. On peut continuer. Alors, le point de sauvegarde, les gars, il y a possible... Enfin, surtout le marchand, quoi. Ah non, ah c'est gênant. Toujours pas de point de sauvegarde, c'est super gênant. Ok. Des petites balles de pompe, on sait pourquoi. On va leur retirer le bouclier. Voilà, on va récupérer calmement son pistolet. Putain, il est gourmand lui, hein. Ah ouais, très gourmand, hein. Ok, calme-toi. Ah, très bien. Ah oui, il était chiant. Bon. On y est bientôt, là. Oh là, oh là, oh là dedans. Oh putain de merde. Ah, ça va partir en couille, hein. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth.
Leon, now! Ok, bon, ça c'est fait. On a enfin récupéré Ashley pour la 14e fois à peu près. Et on a un marchand. Oh oui, on va pouvoir s'arrêter là et surtout acheter des belles bouteilles. Ok, je prends. Qu'est-ce que c'est? On va lire, toujours lire. Mémo de Louise. Oh putain, il a été loin, hein. Après avoir conclu la première phase de recherche, nous recherchons un moyen efficace et sans danger de retirer les Plagas. Quelle ironie, en réalité, ces recherches n'avaient pas pour but de trouver un moyen de retirer les Plagas des sujets infectés, mais de rendre les Plagas plus difficiles à extraire du corps d'une victime. On a finalement découvert qu'il est possible de supprimer les Plagas en les exposant à des radiations spéciales. Le seul inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est très douloureuse, vu que les Plagas s'attachent aux nerfs. L'intervention peut provoquer des pertes de connaissance chez l'hôte. N'oublions pas qu'une fois que le Plagas a atteint l'âge adulte, l'intervention visant à le retirer pourrait provoquer la mort de l'hôte. Ceci dit, vu l'effet que produisent ces créatures, la mort est peut-être préférable. D'accord, donc ça présage quand même qu'on va souffrir comme des merdes. Ça, ça fait plaisir. Welcome, salut à toi, frérot. Alors, qu'est-ce que tu nous apportes de beau depuis tout ce temps? Déjà, on va te vendre des trucs, parce que forcément, j'ai envie de beaucoup plus de pognon. On a un émeraude, un pendentif, ça. Hein, je vois pas, on va pas le laver. Ok, le lynx, il est complet. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut optimiser, les gars? Bon, alors là... Là, c'est la porte ouverte à toutes les portes fermées. Ok, 150 000 augmente l'arme à feu, donc je passe à 50 de puissance de feu. Il me faut 150 000 par contre, ça c'est terrible. 150 000, ok, faisable. Faisable, impossible n'est pas le gaulois. Ah, il y a ça aussi. Ouais, largement faisable. Largement faisable. Après, est-ce qu'on va le faire avant la fin du jeu? Ça, je ne sais pas. Oh, c'est bon, ça, ça fait plaisir. Des petits tonneaux. Oh, du 10 000. Voilà, 10K gratos. Ça, c'est cool, ça. T'as marché et trouvé 10K comme ça, ça fait plaisir. Juste avant, quand même. Il est où le prochain point de sauvegarde? Mais il y a un autre vendeur. What the hell? Ok, il y a un vendeur qui nous a fait un petit plaisir. Ah, on va pouvoir augmenter la vie de Ashley. Allez, Miskin. Miskin, tu me fais de la peine. Utiliser. Voilà. Heureuse, Ashley. Vraiment, parce que tu me fais de la peine. Oh. Ok. Ashley, bouge pas. Ashley, bouge pas, j'avais pas prévu tout ça. Hop, deux pour le prix, là. Quoi? Quoi? Tu survis à ça? Oh, mais c'est terrible. Ok. Wait. Attends-moi là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces petits dédales à la con, là? Ok, je les ai quand même bien arrachés. Je suis assez fier de moi, je vous avouerai. On va reload. Voilà. Histoire d'économiser un petit peu de place. On va reload. Ashley SBS à chaque fois que je recharge. Elle kiffe. Elle est là, elle fait « Waouh, c'est le kiff ce soir. » Ok, je peux ouvrir la porte de derrière. Et est-ce que je peux ouvrir celle-ci? Follow me. Alors attendez. C'est quoi ces conneries, là? Ça met nous tout ça, là. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas abandonner Ashley. Ashley, faut venir. Voilà, calme-toi, par contre. Tu es fort entreprenante. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis revenu dans la salle. Qu'allait-il lui faire? C'est terrible. D'accord, on est revenu dans la salle. Wait. Ok. Bah on va examiner vite fait. Je crois que là où est passé Ada,
Ah, c'était sympa ça, ouais. Parce que faut savoir qu'il y a l'aventure de Ada, et donc, bah, on joue ce passage-là. Tout ça pour une herbe rouge. Mmh. Ah, beaucoup mieux. D'accord, très intéressant. Ok, je peux pas sauter par ici. Ah, c'était sympa le fait qu'on puisse revenir en arrière en soi, hein, après une cinématique, histoire de voir un peu tout ce qui s'est passé là-dedans. Et là, on se dit, mais comment Ada a pu s'en sortir? Eh ben, on le saura plus tard, en jouant sa petite aventure. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez qu'on fasse l'aventure de Ada. Donc, on joue tout ce qui est en parallèle, hein. On croisera Lyon à chaque fois, un petit plaisir. Un petit plaisir pour mon croquant. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like a million bucks. I thought you were gonna die. All right, guess I'm up. You okay? I don't know about you, but I think it's time we go home. Doucement quand même, doucement. 80% de taux de précision, ça remonte, c'est plutôt cool. Suite, le dernier chapitre. Eh ben écoutez, on fera ça dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et à la prochaine, tout simplement, pour la fin. À plus tout le monde.